like that she go. I be like that she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. When I see. Ah mince, excusez-moi les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle un peu de, des choses que vous connaissez très bien aujourd'hui. Franchement je vais parler en deux mots parce que franchement c'est, j'étais choqué aujourd'hui, j'étais vraiment choqué. En fait j'allais pour m'acheter un tacos et puis j'ai vu un cas, mais vraiment je dirais pas l'endroit où j'ai vu le cas, mais j'ai vu des amis, j'ai vu des gens qui avaient une blouse toute blanche, tout caché, tout masqué. C'était une grosse blouse blanche et tout. Et avec des masques et tout, je dis oh là là, c'est quoi ça? J'ai vu ça, bon, je vous rassure, j'étais pas à pied, moi j'étais dans ma voiture. Tout était fermé, tout tranquille. Et puis voilà, je suis allé aller chercher un tacos. Et puis vraiment, ça m'a choqué, ça m'a démoralisé. Donc voilà, comme vous avez vu dans cette vidéo. Et j'ai mon petit gel pour bien se laver les mains proprement, bien désinfectant. Et je vous conseille de le faire tout le temps ce geste. Moi, c'est un gel qu'on m'a donné une personne qui travaille dans l'hôpital et qui en fait qui m'a donné ce gel-là. Alors moi, je vous conseille franchement de prendre tout le temps un gel comme ça et se laver les mains tout le temps. Quand vous rentrez chez vous, lavez-vous les mains. Prenez-le-vous dans votre sac, c'est mieux que les petits gels, les petits flacons. Ça, c'est mieux, ça dure plus longtemps. Puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire, cette prévention, parce que franchement, le coronavirus, aujourd'hui, ce virus est très très puissant. Et aujourd'hui, déjà, où ce que je vous parle, il y a au moins un million de morts. Je ne veux pas vous parler du cas que ce soit à Shanghai et tout, parce que là, on a dépassé les 8000 morts, les 1000 morts, on allait très loin. Mais en France, ça commence à, on est vers les 1000, à peine, on arrive à peine dans les 1000 morts. On est dans les, on va dire, 1000 cas, mais après morts, je pense que. Non, quoi que je dis une connerie, je pense qu'on est dans les 16 morts aujourd'hui. Mais il y a pratiquement 1000 cas. On est vraiment, c'est vraiment, le virus, il est vraiment très, très. Il attaque vraiment très très fort. Bon, on va pas parler de ça aujourd'hui. Nous allons parler du tacos donc, que je vais manger. Et je vais vous laisser 2 minutes puisque je vais aller me changer et chercher mon tacos de bonne qualité. Parce que franchement, mais ça m'a choqué de voir ce cas là que j'ai vu. Bon, attendez 2 minutes, on se retrouve pour que je puisse aller chercher mon tacos de bonne qualité. Voilà. J'allais chercher mon tacos de bonne qualité. C'est vraiment la qualité du tacos, hein, regardez. En fait, bon, là, c'était, ce qui était marqué, le nom de. Bon, ils ont essayé de marquer mon nom, mais je comprends bien. Voilà, je vous conseille d'aller prendre le tacos chez. Au tacos, bon, c'est marqué là, je pense que vous voyez bien, la marque du magasin de tacos. Bon, je ne veux pas parler du magasin de tacos, faire des pubs et tout. Bon, je vous montre à peine que je suis coupé. Donc, c'est parti, aujourd'hui, on mange un tacos de bonne qualité. Bon. Alors, pour voir les frites, si elles sont bonnes. Les frites sont pas mal, mais bon. Non, elles sont pas mal. Les frites sont dans un petit tube comme ça de frites. Je vous rappelle que j'ai lavé les mains. Hein. Bon, si vous voulez, je vais encore les laver les mains devant vos yeux, que vous voyez bien que je suis propre. Parce qu'il y en a, ils vont dire, il ne sait pas laver les mains. Je vous vois déjà venir. Je le fais devant vous et quand j'aurai fini, bon, évidemment, je vais le faire. La vidéo sera finie. Bon, je me lave les mains avec mon gel. Je lave bien les mains parce qu'il faut bien les laver, c'est normal. Et c'est parti, je mange mon tacos. Laissez un peu sécher les mains parce que faut que les mains soient propres. Pour bien manger de la bonne qualité, que je sois dans la propreté. Voilà, bon, ben, je mange mon tacos de bonne qualité, tout se passe bien. Voilà, j'étais en train d'écouter une musique sur. Parce qu'ils ont. J'ai vu un youtubeur qui a sorti une musique sur le coronavirus. Et puis voilà, c'est ça que j'étais en train d'écouter là quand je suis arrivé chez moi là tout à l'heure. J'ai écouté une musique comme ça sur le coronavirus. Bon, enfin, vous allez me dire, je me moque pas du produit, je me moque pas de cette maladie, puisque franchement, j'ai beau à vous le dire, mais en vérité, je vous dis la vérité, j'ai un peu peur que ça vienne jusqu'à moi. Mais bon, je pense que je ne suis pas atteint, donc c'est pas demain que je vais être atteint.
j'ai fait tous les gestes qu'il faut pour pas être atteint. Bon, c'est parti. Je mange. Je mange la coque. Jusqu'à les frais, je vais les manger tranquillement. Je vous montre mon tacos. Tout d'abord, je vous montre ma boisson de bonne qualité. Regardez, j'ai pris du Fanta à la mangue. Un Fanta de bonne qualité, évidemment. Il y a un petit gel qui dérange. Regardez, mon petit Fanta. C'est un Fanta de bonne qualité. D'habitude, je prends au citron, mais là, j'ai changé un peu. J'ai pas voulu prendre le citron. Il faut un peu changer, quoi. Un peu un Fanta à la mangue, ça change un peu. Et voilà, quoi. Et le tacos, le produit là. Bon, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est une vidéo de tacos tranquille, c'est pas XL, c'est pas de triple XL, c'est pour juste me relancer puisque bientôt les XXL vont encore reprendre. Et je vais reprendre une autre vidéo de, où je vais attaquer la barre de le maxi tacos, ça va pas tarder d'arriver. Hein, ça. Ah, je suis bien. Bon, mais il est bien emballé, hein, comme vous voyez bien, il est bien emballé dans son. Il dort bien le tacos. On va le réveiller puisque la bête est en train de dormir, il faut la réveiller et la manger, la déguster en bonne circonstance. Bon, on va pas durer longtemps parce qu'il y en a qui vont avancer la vidéo. Je vais juste faire les premiers crocs et puis ensuite de la vidéo, je vais fermer. Je vais peut-être couper la vidéo parce que là, quand même. Ah, il est bien chaud le tacos, hein. Il est magnifique, hein. Un tacos de très bonne qualité. Regardez la bête, hein. La bête est bien. La bête est très très bien. Bon, c'est parti, je vais arrêter de discuter, je mange. Allez. 1, 2, 3. Ah, c'est très bon. Franchement, c'est très bon. C'est un tacos, ce qu'il y a dans mon tacos, c'est, vous le voyez au bon de, oh, excusez-moi, vous le voyez en bas de la vidéo, en description de la vidéo, vous voyez ce qu'il y a marqué dans le tacos, c'est, en fait c'est, j'ai mis la merguez, cordon bleu, frites, salade, tomates, etc. C'est marqué en tout cas en bas de la vidéo. Il est bon, il pique un peu, parce que j'ai bien mis la sauce à Jiren, donc il est très bon, c'est un tacos de très bonne qualité. Très bon. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, très bon. Ah, franchement, je me régale. Là, ça faisait peut-être 2 mois que je n'ai pas mangé de tacos. Là, ça y est, je me suis relancé. Hein. Sur les tacos, le premier tacos que j'ai fait, c'est avec ma cousine et ma nièce. Non, qu'est-ce que je dis? J'ai tellement excité, je dis n'importe quoi. C'était avec ma nièce et ma soeur. Que vous avez vu la dernière vidéo que j'ai mangé le tacos avec ma soeur et ma nièce. Et puis ça s'est bien passé, c'était un petit tacos tranquille. Et là, c'est un des deuxièmes tacos, là, de, enfin, du mois. Quoi. Et puis voilà, c'est très bon, je me régale. Vous allez me dire que je mange trop vite, c'est vrai. Je vais me calmer. Parce que si je ne mange pas vite, la vidéo elle met trop de temps. C'est pour ça que. Mais bon, je vais faire des coupures. Oui. Évidemment, je vais faire une coupure. Alors, est-ce que ça est bon cette boisson? Magnifique. Ça c'est de la boisson de la bonne qualité. J'aime bien changer un peu, varier un peu. C'est magnifique. Parce que d'habitude je prends que Fanta au citron. Mais c'est bien celui-là aussi. Hein. De temps en temps ça fait bien de changer un peu. Voilà, c'est magnifique. Je me regarde bon. Je vous laisse pour. Parce que on va pas. Je veux pas manger mon tacos toute la vidéo, sinon vous allez avancer la vidéo tout ça. Je vous retrouve pour la fin pour vous montrer si j'ai fini mon tacos et vous dire mes impressions de mon tacos. Dans moins de 2 minutes, le temps que je savoure tranquillement mon tacos.
C'est trop dur à finir là, aujourd'hui j'arrive pas. Bon, on va dire, j'ai un petit morceau, vous avez vu, j'ai un petit morceau. J'arrive pas à finir. Je sais pas, c'est parce que j'ai dû grignoter, c'est pas bon. J'ai dû manger entre les repas, c'est pas très bon. J'ai plus la force pour finir mon tacos. C'est rare que je le finis pas, hein, c'est rare. C'est vraiment rare que je finis pas mon tacos. Je vous conseille de, quand vous mangez un tacos, de vraiment être à jeun ou de vraiment avoir faim. Moi, c'est pas le cas là aujourd'hui. C'est rare que je fais ça. Que je finis pas. Mais il était bon, franchement, il était très bon. Les merguez sont très très bonnes. J'ai mangé les merguez, voilà. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. C'était trop dur. Je profite de cette vidéo pour vous dire les informations du virus en ce moment qui se balade. Je vous conseille franchement, honnêtement, de faire comme moi. Si vous voulez manger, que ce soit McDonald's ou en ce moment, je ne dis pas de ne pas avoir peur, vous pouvez manger un McDonald's, vous pouvez manger un tacos dans votre magasin de tacos. Moi, je vous conseille en ce moment de commander ou bien d'aller chercher votre McDonald's ou votre tacos ou votre sandwich, ce que vous avez à manger. Et mangez-les chez vous, comme ça au moins c'est mieux. Vous avez vu, là, je suis bien tranquille. Il n'y a pas de maladie qui est là. Heureusement, il n'y a pas de maladie, je ne tousse pas, vous avez bien vu. Je ne tousse pas, je n'ai pas le nez qui sniffe, je n'ai pas mal à la tête. Bon, je touche du bois que ça va toujours pour moi. Mais franchement, c'est mieux de manger tranquille, dans le calme. Moi, j'aime bien de pouvoir manger tranquille, dans le calme. Ça bourrait tranquillement mon repas, tranquillement. Et puis voilà quoi. C'est mieux, comme ça, moi, il n'y a pas le virus qui est là. Je n'ai pas de contact avec des gens qui peuvent m'envoyer le microbe. Et puis voilà. Mais quant à tous mes entourages, il n'y a personne qui a le microbe, personne n'a le coronavirus, personne là. Donc voilà quoi. Bon, ben, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Moi, quant à moi, je n'ai pas pu finir. Je suis un peu déçu parce que mon tacos était bon, mais comme j'ai grignoté, donc je n'ai pas dû le finir. Et du coup, j'ai trop mangé, j'ai le ventre hyper gros. Et voilà, je tiens à dire, n'ayez pas peur du virus. Sortez toujours, continuez à faire ce que vous avez à faire. Et n'ayez pas peur, si vous voyez des cas, moi j'ai vu deux Japonais qui sont marchés un peu loin de moi, mais j'ai vu deux personnes japonais qui avaient le masque. J'ai vu plusieurs personnes avec le masque, mais c'est pas pour autant que je vais mourir. Je n'ai pas peur, mais c'est vrai que j'évite de prendre les transports en commun, bus, etc. Tout ça. Et je me lave beaucoup les mains. De toute façon, à la base, je suis déjà maniaque. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis déjà maniaque. Je me lave les mains, c'est propre chez moi. Je me lave quand je sors des toilettes, je me lave tout le temps les mains, que je vais n'importe où. Là, vous avez vu, j'ai celui-là, mais j'en ai plusieurs comme ça. Et puis, je vous conseille de prendre beaucoup soin à vous et prenez des nouvelles des personnes que vous aimez, vos entourages. Faites gaffe à la maladie qui circule, c'est très important. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo et voilà, c'était juste une intervention que je voulais vous parler de ce virus aussi en même temps que je mange mon tacos, que je n'ai pas fini aujourd'hui. C'est malheureux parce que j'étais un peu choqué de voir des gens avec les blouses blancs et tout là, j'étais un peu choqué. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à finir mon tacos. Ça m'a un peu choqué cette histoire. Mais bon, ça ira mieux, sinon tout va bien. On se retrouve pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis voilà quoi. La prochaine vidéo serait sûrement, je ne vais pas vous dire, vous allez sûrement reconnaître les vidéos que... Mais je ne vous cache pas que les vidéos vont évoluer, là, bon, en ce moment, je suis un peu en période, je cherche du matos en fait, mais bon, je ne vais pas vous dire plus. Salut les amis, et je vais vous dire 50 000 fois salut les amis, mais je n'ai pas envie de raccrocher ma vidéo. Bon allez, ça y est, je m'en vais de ma chaîne. Je vous laisse les amis, parce que maintenant, je parle trop. Allez, ciao.
Every time she walk by, I can see in her eyes. Shawty be feeling my vibes. I be like, there she go.